je m'appelle Charlotte Traverseau, donc je suis la fondatrice, la cofondatrice de l'agence Mancini Traverseau. C'est une agence de design graphique global, donc qui aborde des problématiques d'identité visuelle, de réalisation de supports print et digitaux pour des marques de toute taille et de tout secteur d'activité. Mon parcours éducatif, où le démarrer ? Donc, je suis issue d'une formation plutôt littéraire. Après un BTS communication des entreprises, je suis rentrée en prépa Sciences Po et j'ai obtenu donc une maîtrise en management. Donc, suite à laquelle je suis venue sur Paris, j'ai obtenu mon premier job et suite à ce premier job, ben, j'ai créé mon entreprise. En toute honnêteté, j'avais déjà mon projet professionnel avant, enfin, en cours de parcours éducatif. Donc je dissocie vraiment le parcours éducatif de mon parcours professionnel ou de mon actualité professionnelle. En revanche, ce qui m'a donné beaucoup de satisfaction, c'est l'efficacité de mon parcours éducatif pour ce que je fais aujourd'hui au quotidien. C'est-à-dire que j'étais assez impatiente de rentrer dans la vie active et que je n'étais pas prédestinée à rester très longtemps sur les bancs universitaires. Donc l'avantage que j'ai eu avec ma formation et les multiples stages et expériences que j'ai eu au cours de mon parcours éducatif, c'est d'accéder très rapidement aux fonctions que je souhaitais en tant que chef d'entreprise dans le milieu dans lequel j'exerce. Alors, nous recherchons essentiellement des personnes à profil artistique, vu que donc, nous sommes une agence de design. Donc, nous recherchons des directeurs artistiques, des designers concepteurs graphiques, des techniciens de l'image et de la communication et du marketing. Donc, des personnes qui ont un véritable profil et une véritable culture de la marque associée à de très grandes compétences artistiques. Alors, quels que soient les profils professionnels que l'on recherche, on va privilégier l'humain au-delà des compétences réelles du poste recherché. On va privilégier des qualités d'implication, des qualités d'investissement personnel, des qualités d'ambition, de motivation, des qualités aussi d'ouverture et d'intégration dans une petite équipe, parce qu'être une petite équipe, c'est autant complexe que simple. Donc voilà, on cherche la perle rare, mais on en a déjà beaucoup, donc c'est une chance. Mais on recherche des profils qui ont de très grandes qualités humaines, qui servent, entre guillemets, leur qualité professionnelle. Il faut être, faut avoir de l'énergie, il faut être ambitieux, il faut être courageux et il faut être tenace.